السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تلاميذ الأعزاء المستوى الثاني ابتدائي CO1. فرصة سعيدة للقاء بكم وعطلة سعيدة بمناسبة العطلة البينية الأولى، وهي مناسبة باش يمكن لكم تراجعوا الدروس والأنشطة منذ بداية السنة حتى الآن. إذن سوف أخصص لكم بعض الدروس وكذلك بعض الأمثلة للتمارين لكي تستوعبوا جيدا هذه الأنشطة المقترحة. في البداية فوكابولير، أول درس الألفابي. J'observe et je découvre. Je lis l'alphabet ci-dessous. A jusqu'à Z. نقوم بالإجابة على الأسئلة. Combien y a-t-il de lettres dans l'alphabet? Quelle est la première lettre de l'alphabet? Quelle est la dernière? Comment s'appellent les lettres vertes ci-dessus? Comment s'appellent les autres? Comment s'appelle l'ordre dans lequel sont rangées ces lettres? إذن في البداية يجب علي قراءة الألفابي من A حتى الزد والإجابة على الأسئلة. نفهم بعدك الأسئلة. Combien y a-t-il de lettres dans l'alphabet؟ إذن مطلوب مني أنني نقوم بالعد الحروف ديال الألفابي. Alors, il y a 26 lettres. Quelle est la première lettre de l'alphabet? Alors, la première lettre de l'alphabet, c'est A. Quelle est donc la dernière? La dernière est la lettre Z. Chez Marlon. La première lettre de l'alphabet, c'est la lettre A. Et la dernière est la lettre Z. Combien y a-t-il de lettres dans l'alphabet? Il y a 26 lettres. Quelle est la première lettre de l'alphabet? C'est A. C'est la lettre A. Quelle est donc la dernière? C'est la lettre Z. Comment s'appellent les lettres vertes? C'est dessus. A, E, I, A, E, I, O, U, Y. Les lettres vertes s'appellent les voyelles. Et les autres s'appellent les consonnes. Et comment s'appellent les autres? Les autres s'appellent les consonnes. Ça veut dire B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, P, Q, R, S, T, etc. Traductivement des consonnes. Comment s'appelle l'ordre dans lequel sont rangées ces lettres? L'ordre dans lequel sont rangées ces lettres s'appelle l'ordre alphabétique. Ou, directement, c'est l'ordre alphabétique. C'est le même tertib, c'est le huruf. A, حتى الحرف الأخير Z. هذا الترتيب تسمى l'ordre alphabétique en français. Combien y a-t-il de lettres dans l'alphabet? Très bien, il y a 26 lettres. Quelle est la première lettre de l'alphabet? Oui, c'est la lettre A. Quelle est donc la dernière? C'est la lettre Z. Comment s'appellent les lettres vertes ci-dessus? On les appelle les voyelles. Ou les lettres vertes s'appellent les voyelles. Comment s'appellent les autres? Les autres s'appellent les consonnes. Comment s'appelle l'ordre dans lequel sont rangées ces lettres? Bien sûr, c'est l'ordre alphabétique. Je m'entraîne, exercice 3, réponds par vrai ou par faux. Il y a des informations, par exemple M est la troisième lettre de l'alphabet, R est entre P et Q, G est juste avant I, I est juste après J, O est la quatrième voyelle de l'alphabet.
On va savoir est-ce que c'est vrai ou faux. Réponds par vrai ou faux. Je vous donne un exemple. Alors, réponds par vrai ou par faux. M est la 13e lettre de l'alphabet. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y a un half M. Je suis pas dire l'alphabet. Très bien. C'est ça. M est la 13e lettre de l'alphabet. C'est-à-dire qu'on doit vérifier les informations. Est-ce que c'est vrai ou faux? Quand je fais un R et entre P et Q, et quand ça est, on écrit c'est vrai, et quand ça est, on écrit c'est faux. G est juste avant Kabla, I. G est juste avant I. I est juste après Bed. G. O est la 4e voyelle de l'alphabet. 4e voyelle. Là, là, là. O est la 4e voyelle. Mais si, l'alphabet. Non, et la 4e voyelle. Et de là-dedans, les voyelles, là-dedans, on a 6 voyelles. A et E et I, etc. Où je fais un O, et la 4e voyelle de l'alphabet. Et d'un blessement, bien sûr, elle a l'ordre alphabétique, ou qu'il communique, c'est la bisoura. L'intercle N est la grammaire. Alors, on va voir maintenant grammaire, la phrase. Tu veux que j'ai dit l'adresse la oul, grammaire. Tu veux que j'ai dit la phrase. Al-jumla, la phrase. Voilà, l'ensemble de mots qui sont en ordre et qui ont un sens. Qui commence par majuscule, se termine par un point. J'observe et je découvre. Je lis d'abord chaque couple de phrases. Sorcière en ce loup le déguise. Le loup se déguise en sorcière. La maîtresse arrive retard à l'école. La maîtresse arrive en retard à l'école. Les élèves ne sont pas très sages. Les élèves ne sont pas très sages. Je recopie celle des deux qui est correcte. Alors, je choisis ici. Je mets ici un croix. Pourquoi? Parce que c'est une phrase écrite correctement. Elle commence par majuscule, se termine par un point. Alors, c'est un ensemble de mots qui sont dans l'ordre. Le loup se déguise en sorcière. Elle a un sens. C'est la même chose pour la maîtresse arrive en retard à l'école. Les mots sont en ordre. Il a aussi un sens. La maîtresse arrive en retard. La maîtresse arrive en retard à l'école. Je comprends. Les élèves ne sont pas très sages. Alors, il manque ici la majuscule et le point. Les élèves ne sont pas très sages. Alors, je choisis ici. Et voilà. Les élèves ne soient pas très sages. Alors, c'est une bonne phrase écrite correctement. Que faut-il pour qu'une phrase soit correcte? Par quoi commence toujours une phrase? Par quoi se termine toujours une phrase? Que faut-il pour qu'une phrase soit correcte? Il faut tout simplement que les mots sont en ordre. Le loup se déguise en sorcier. Voilà. Les mots sont en ordre. La maîtresse arrive en retard à l'école. Les mots sont en ordre.
Les élèves ne sont pas très sages. Les mots sont en ordre. Par quoi commence toujours une phrase? Par majuscule. Attention ici, il ne commence pas par majuscule. Alors, ce n'est pas une phrase écrite correctement. Et par quoi se termine toujours une phrase? Par un point. Toujours par un point. Alors, je choisis pour vous l'exemple 3. Recopie les mots dans l'ordre pour obtenir des phrases. C'est pas dans l'ordre alphabétique. Non, 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 non. Dans l'ordre. Recopie les mots dans l'ordre pour obtenir des phrases. Et toi, des majuscules et des points. Et toi, ça veut dire comme Soukou. Élève, récréation en sans les. Alors, je commence par les et je termine par récréation, par exemple. Dans bibliothèque et Pinocchio, là. Pinocchio, là. Là, dicte une phrase maîtresse. Scolaire, retard, bus, le, en et. Deux loups, faim, meurt, le. Alors, ces mots ne sont pas en ordre. Et alors, ces phrases ne sont pas bien écrites. Elles n'ont pas un sens. Je recopie les mots dans l'ordre pour obtenir des phrases. Pour m'aider, il y a des majuscules et des points. Par exemple, on dit les élèves sont en récréation. Je commence par majuscule, les élèves, et je termine par le point récréation. Les élèves sont en récréation. Alors, je suis la même chose pour les autres exemples. Je cherche d'abord le mot qui commence par majuscule, comme exemple ici Pinocchio. Comme exemple ici la maîtresse. Comme le bus. Comme le loup. Et on termine par un point. La création, bibliothèque, une phrase, retard, fin. Élèves, récréation, en sont les, on dit les élèves sont en récréation. Et on fait la même chose pour les autres suites de mots pour obtenir des phrases. On passe maintenant à la conjugaison. السلام عليكم من جديد أيها التلاميذ الأعزاء فصل جديد أقترح عليكم conjugaison أول درس le passé le présent le futur le passé الماضي le présent الحاضر le futur المستقبل لفهم الدرس يجب علينا القيام بهذه الأنشطة j'observe et je découvre je lis les phrases ci-dessous et je les place sous la ligne du temps. Voici la ligne du temps. Il y a le passé, hier, le présent, aujourd'hui, le futur, demain. C'est ce qu'on appelle ici la ligne du temps. Il y a un qasim il y a trois mahawar. Al-mardi, al-hadir. Alors, hier, la maîtresse nous a expliqué la technique de la soustraction. Alors, il y a le mot hier, c'est-à-dire le passé. Demain, ce sera le premier jour des vacances. Il y a le mot demain, c'est donc le futur. Aujourd'hui, je reste à la garderie. Alors, il y a le mot aujourd'hui, bien sûr, c'est le présent. Hier, c'est le passé.
Demain, c'est le futur et aujourd'hui, c'est le présent. On pose toujours la question, quand se passe cette action? Par exemple, est-ce que le passé, le présent, le futur? En ce moment, les élèves du CE1 sont dans le gymnase. En ce moment. Alors, le mot en ce moment veut dire le présent, c'est comme l'exemple de aujourd'hui. En ce moment, les élèves du CE1 sont dans le gymnase. Alors, je vois ici un mot qui est très important, on va voir plus tard. Autrefois, l'école n'était pas obligatoire. Il y a le mot autrefois, veut dire le passé. Plus tard, j'irai à l'école d'infirmière. Plus tard, c'est le futur. Alors, hier, c'est le passé. Demain, c'est donc le futur. Aujourd'hui, c'est le présent. En ce moment, c'est le présent. Autrefois, c'est le passé. Et plus tard, c'est le futur. Alors, ce sont des indicateurs du temps. Ils nous aident bien sûr à situer l'action, par exemple, soit au passé, soit au présent, soit au futur. On va voir plus tard. Quels sont tous les mots qui t'ont permis de faire ce rangement? Alors, il y a hier, demain, aujourd'hui, en ce moment, autrefois, plus tard. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de quelque chose qui est terminé? De quoi parle-t-on quand on parle de quelque chose qui est terminé? De quoi parle-t-on quand on parle de quelque chose qui est en train de se passer? De quoi parle-t-on quand on parle de quelque chose qui va arriver? Alors, pour répondre à ces trois questions, il suffit de comprendre qu'est-ce que c'est le passé et le présent, le futur. De quoi parle-t-on quand on parle de quelque chose qui est terminé? Ça y est, c'est fini. C'est le passé. D'accord? C'est le passé. Quelque chose, ça y est. C'est fini. C'est terminé. Alors, on parle du passé. Comme l'exemple de hier ou autrefois. De quoi parle-t-on quand on parle de quelque chose qui est en train de se passer? C'est le présent. Comme l'exemple d'aujourd'hui, en ce moment, c'est le présent. Et de quoi parle-t-on quand on parle de quelque chose qui va arriver plus tard? C'est le futur. Vous avez compris maintenant? Alors, quel mot aide à dire le passé? Quel mot aide à dire le présent? Quel mot aide à dire le futur? Alors, d'après les exemples ici, on a le passé. Ça veut dire quel mot aide à dire le passé? Le passé. Alors, il y a hier et aussi autrefois. Il y a deux exemples. Hier, la maîtresse nous a expliqué la technique de la soustraction. Autrefois, l'école n'était pas obligatoire. C'est le passé. Quel mot aide à dire le présent aujourd'hui? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Et en ce moment. Aujourd'hui, en ce moment. Quel mot aide à dire le futur? Par exemple, plus tard. Il y a demain et plus tard. Demain sera le premier jour des vacances. Plus tard, j'irai à l'école d'infirmière. Alors, je répète encore une fois le passé. Il y a des mots comme exemple de hier, autrefois, présent, comme aujourd'hui, en ce moment, et le futur, comme demain et plus tard. Il faut tout simplement mémoriser ces indicateurs, ces mots, pour vous aider à associer l'action, le passé, le présent, le futur. Voilà, on passe maintenant au troisième exercice.
Alors d'abord, rends ces mots dans le tableau. Demain, c'est le futur. Dans un an, c'est le futur. Aujourd'hui, c'est le présent. Plus tard, c'est le futur. En ce moment, c'est le présent. Autrefois, c'est le passé. La semaine passée, c'est le passé. Jadis, c'est le passé. Actuellement, c'est le présent. D'accord? Ainsi de suite. Recopier uniquement les phrases qui indiquent le passé. Alors, on a la semaine dernière. Oui, la semaine dernière. Parce qu'il y a ici la semaine dernière. C'est un ensemble de mots. C'est un groupe de mots vraiment signifie exactement le passé. La semaine dernière, j'étais absent. La semaine dernière, j'étais absent. Je fais mes devoirs avec papa. Non. Dans une heure, j'ai revisité ma nouvelle école. Non. J'ai passé les vacances chez mamie. J'ai passé, regarde ici. J'ai passé. Alors, c'est un peu difficile, mais c'est comme ça. Vous allez prendre l'habitude de saisir les événements, soit au passé, soit au présent, soit au futur. Alors, il y a ici un verbe. Ça vient ensemble ici, un verbe. Au passé. J'ai passé les vacances chez mamie. Alors, faites très attention à ce genre d'exemple. Qui n'ont pas d'indice. Alors, la semaine dernière, j'étais absent et aussi j'ai passé les vacances chez mamie. Et les phrases qui indiquent le passé. Complète chaque phrase avec l'expression qui convient. Il y a dans quelques années veut dire le futur, autrefois veut dire le passé, de nos jours veut dire le présent. Alors, les élèves allaient à l'école à pied ou on va à l'école en vélo, en voiture et en bus scolaire. Et on restera peut-être chez soi devant son ordinateur. D'accord? On passe à autre chose. On va faire un exemple. Allez-y. Alors, on termine par l'orthographe. La lettre O et les différents sons qu'elle transcrit. Orthographe, la lettre O, et les différents sons qu'elle transcrit. Mais la O, comme dans sol. كذلك هذا الصوت أو كوم دون كور لاحظوا مشاركة الحرف أو كوم أون كوم دون طون و كوم دون لوا أعيدوا معي أو أو أون و أو صول أو كور En ton wa loi. L'étienne acte. L'étienne convertisse. Hua tariqat kitabet jamia al-aswat. Les harf. Quels sont transcrits la lettre O quand elle est suivie de la lettre U? مثلا او avec u تنطق على الشكل او كوم دون كور quels sont transcrits la lettre o quand elle est suivie de la lettre i مثلا wa comme dans loi quels sont transcrits la lettre o quand elle est suivie de la lettre n ou de la lettre M. Alors, on. Et il me dit que tu as le ON ou le chèque OM. Il dit que je vais vous montrer l'orthographe du niveau de la C'est
recopie et complète les mots. La taer, un hibou. O-U. Hibou. Un mouton. O-N. O-N. Un poussin, O-U. Un poireau, poireau, O-I. Michel Tény, recopie et complète les phrases avec sous et son, montée et mona, doigt et récréation. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. إذن يجب عليكم ملء الفراغات بكلمتين تاليتين سو و صو لا ميتريس ابوزي ساك لويو اعتقد انني سوف اضع كلمه صون لا ميتريس ابوزي صون ساك سو لويو وكذلك مثال لا بوتيت ا سون غرو كارتابل ان كلاس لا بوتيت مونا ا مونتي sans gros cartable en classe. Doigt et récréation. Je me suis tordu le doigt, malheureusement, pendant la récréation. Et je vois les communs, les timèmes. J'ai quelques billes. Tros, chassa, bi. L'orthographe, le monsieur Tseni. Utilisé ici. Tant d'un bel ad vidéo qu'elle a wadihan. نتمنى لكم عطلة سعيدة وإلى اللقاء في فيديو قادم لمساعدتكم على إنجاز الواجبات المنزلية. شكرا لكم.